Vous voulez que les Noirs soient solidaires? Que les Noirs? La solidarité n'est pas que pour les Noirs. C'est l'affaire à tout le monde, n'est-ce pas? Bah oui. Mais pourquoi seulement les Noirs doivent être solidaires? Bah parce qu'ils cherchent toujours des problèmes entre eux et que faudrait pas, quoi. Et je trouve que le problème des Congolais, c'est que, tu peux partir, s'il te plaît? Enfin, ils sont pas, genre, ils veulent pas faire développer leur pays. Enfin, d'après moi, parce que quand ils viennent ici en Europe, ils veulent... C'est pas grave, c'est la fête. Quand ils viennent en Europe, enfin, d'après moi, ils se perdent dans tout ce qui est matériel, en fait. Eux, tout, leur problème, c'est d'avoir de l'argent. Et d'abord, je trouve qu'ils sont vachement dans les fringues, la sape. La sape, ça n'apporte rien. Ils vont faire des études dans la vie, ils vont être cultivés pour pouvoir faire développer son pays. Et je trouve que la plupart des Congolais, justement, ils ne sont pas dans cet esprit-là. En tout cas, les jeunes Congolais que je rencontre, hein, c'est plutôt la fête, toujours la fête, passer la crème, être beau, belle. Mais c'est pas ça qui va vous apporter, c'est pas ça qui va vous nourrir dans le futur, parce qu'ils ne font pas d'études. Je veux dire, ils s'expriment même pas bien en français, parce qu'ils parlent tellement lingala. À un moment, je veux dire, quand vous venez en Europe, c'est pour, vous avez un but, un projet, vous êtes en Europe, mais il faut faire la fête, ok? Mais il faut en même temps penser à votre futur, parce que je veux dire, vous allez manger quoi dans le futur? Vous allez manger quoi après? Par exemple, là, c'est les parents qui les nourrissent, mais après, voilà quoi, il faut qu'ils pensent un peu au futur. Et aussi pour votre pays, je trouve que il y a vraiment beaucoup de Congolais en Europe. Je sais pas, ok, il y a la guerre dans votre pays, mais pourquoi fuir? Faut que les forts, enfin ceux qui sont déjà installés, bien installés en Europe, qui ont fait 30 ans, il faut qu'ils puissent retourner pour essayer de faire développer le pays, quoi. Parce que le Congo, c'est un pays super riche, avec beaucoup de ressources, mais vous êtes exploité par les Européens, quoi. Genre diviser la guerre, nanana. Faut qu'il y ait une conscience, enfin, que vous vous mettez ensemble pour essayer de faire, de construire à nouveau votre pays, quoi. Et en plus, je voulais dire, déjà, le Congo est un pays qui est connu parce que, enfin, déjà en Afrique, c'est un des pays, enfin. Parmi les pays les plus riches. Voilà, parmi les plus riches. Déjà, la culture, vous avez vachement influencé les autres pays. Déjà, tout le monde connaît Koffi Olomide, donc tout le monde a déjà une idée du Congo. Donc, je dis. Enfin, on sait déjà qu'en plus, on sait que vous avez des richesses parce qu'il y a eu la guerre là-bas. On sait que les Européens veulent avoir la main mise sur votre pays. Donc maintenant, il faut en tirer parti. Votre pays, il est connu. Il faut essayer justement d'aller un peu partout pour chercher de l'aide et tout ça. Donc voilà. Enchanté de vous voir, de vous rencontrer. Moi, c'est Paola Concepcia Bongura. Merci beaucoup. Donc, je vais transmettre le message. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Je suis certain que l'Afrique un jour nous donnera une très bonne leçon à nous tous occidentaux. Toi, tu te présentes en 2013. Exactement, en 2013. À nous autres occidentaux qui la méprisons, l'Afrique. Et je suis certain qu'il nous donnera une très bonne leçon au niveau développement économique et politique. On pense à vous, les frères. Exactement. Merci beaucoup. Protégé. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup à vous aussi. Et à très bientôt. Un grand coucou à tous les Africains. On est tous avec vous. OK. Merci. Merci beaucoup. Allez, les enfants, on va partir, on a fini. Un petit coucou à tes frères de Kinshasa. Coucou la caméra. Coucou la caméra aux Africains, aux Congolais, aux Kinois. Coucou aux Kinois. Coucou les Africains. Les Africains, toi, t'es Africain aussi, toi? Tu es Africain. J'origine. J'ai un petit mot à dire pour l'Afrique. Oui, vas-y. Je voudrais bien aller en Afrique parce qu'à la bouche, je suis aimée. Et c'est un beau pays. C'est bien. D'accord, merci beaucoup. Et voilà, nous avons fini notre émission. Les gens qui vont nous suivre, ils vont comprendre que les Africains doivent retourner en Afrique pour vraiment développer ces continents qui est vraiment merveilleux, qui a besoin des cadres, des cerveaux, bien sûr. Nous pensons bien que demain, l'Afrique sera meilleure. Et demain, l'Afrique sera vraiment un modèle et nous pensons que nous serons aussi, nous, des modèles à suivre. Je suis à terme de mon émission et j'espère vous revoir très très bientôt prochainement.